Oh, je compterai toujours pour me dire hein, quand je suis visible. Quand tu es Hop, quand visible, je suis visible. incroyable. Je suis dans la maison, toi Alors, aussi, normalement tu devrais. Ok, nickel. Ok, eh bien je suis là, plus qu'à attendre quelques tu es là. secondes. Je suis là? Eh Oui. bien bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonsoir à ceux qui regardent la rediff, bonsoir à ceux qui sont sur le live actuellement. On va partir ce soir sur un peu de Minecraft, je suis pas tout seul, je suis toujours avec le seul et unique cristal de givre. Le seul et unique qui Elle ne est toujours servira là, jamais. elle est toujours là, sans elle ça va plus, c'est fini, elle s'en va plus. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis super content, je suis revenu à la maison et voilà, je suis tout seul. Dans la tristitude, et du coup, je me suis dit que faire un petit live avec Riri, ce serait cool. Voilà, tout simplement. En plus, Tout Minecraft, on y a simplement. joué pendant le live 24 heures et ça avait l'air de pas mal vous plaire. Du coup, on va repartir là-dessus. En plus, hein, on rentre, on a la bonne vie d'habitude, hein, on a l'Arizona. Ah, bah oui, bien sûr, bien entendu. Ah, ça a racheté, hein, ça allait faire les courses hier. T'inquiète pas. Arizona, partout, partout, partout. Du coup, merci beaucoup à Ina qui a rejoint les couronnes. Elle a rejoint juste avant que je lance le live. Donc, merci beaucoup, Ina. Et voilà. Alors, ça risque d'être vachement approximatif, hein, puisqu'on est. On n'est pas extrêmement doué, hein, on passe Approximatif, mytho. c'est un adjectif vraiment pas mal qui C'est nous un bon caractérise, adjectif, on franchement. est d'accord. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Alors attends, je vais juste reprendre le lien du live parce que du coup j'avais toujours l'ancien. Hop. Et après je lance les amis, il n'y a aucun souci dans quelques secondes. Hop, Sora, tu as des lunettes. Oui, j'ai des petites Merci. lunettes. Oui, j'ai des petites lunettes parce qu'en fait. Petite, pas si petite que ça en Oui, soi. elles sont plutôt grandes, on passe mytho. Mais du coup, oui, tout simplement parce que. Oh, bah oui, bah Louis. Bah oui, bah Louis. Il rejoint les couronnes, lui, comme ça, Ah. sans prévenir. Sans prévenir. Voilà, c'est bien Ça fait ça. plaisir, Louis. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, parce qu'en fait, je commence à avoir assez mal aux yeux avec les lentilles. Je peux pas les supporter toute la journée. Du coup, je commence à mettre un petit peu les lunettes pour me reposer les yeux, tout simplement. Tout simplement, voilà. Alors, hop, je mets comme ça. Et ça devrait être bon. Voilà. Hop. Ok. Et ben, c'est bon. C'est parti, let's go. C'est parti, let's go. C'est parti, let's go. C'est parti, les amis. C'est parti. Oh, excellent, excellent. Comment ça c'était Dora et tout. Hop. En plus, j'ai installé quelques shaders, plein de petits trucs assez jolis. Techniquement, ça devrait être plutôt sympa à regarder. Attendez, hop. Voilà, hop. Nickel, c'est bon. Alors, attends, mais Lui j'allais. qui se dit en vrai, il met les lunettes juste parce qu'il est BG avec. Ah, mais non, c'est faux, c'est faux. Même si ça me fait plaisir, Louis, merci beaucoup. Bon, alors, du coup, alors, et regardez-moi ça, franchement, c'est pas super joli avec les trucs, avec les shaders. Ça rend super joli, c'est super mignon, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Hop, hop. Est-ce que du coup on n'irait pas dormir histoire de passer un petit peu la nuit? Parce que c'est pas que j'ai peur, tu vois. Absolument Non, pas. pas du tout. Mais tu Pas vois, du tout. si jamais hein, la On journée ça. dira pas que t'es absolument insupportable. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est Clairement, faux. c'est complètement faux. En vrai, c'est complètement faux. Ok, allez. Hop. Donc en gros le Voilà. but c'est qu'on voilà de base on est censé explorer prendre des ressources pour pouvoir après Bah, créer construire notre notre petit monde, c'est quoi. ça? Créer notre petit monde, faire notre petit serveur, on aura des petites maisons, on va faire pas mal de petites constructions. Mais hey, franchement, c'est super joli comme ça en vrai. Par contre, ils sont relous, hein. Ils sont. Non! Je brûle! Ok, c'est bon, je brûle plus. Regardez, rien que l'eau en vrai, à quel point ça rajoute quoi. Franchement, elle est pas ouf l'eau? Ah, l'eau, c'est magnifique. Franchement, je suis trop fan. Tu vois, je pourrais rester tout le live à regarder l'eau, tu vois. Par contre, fais gaffe, il y a un petit creeper. On va éviter. Gage! Non, il meurt par contre, s'il te plaît. Attends, Non, non, s'il non, te plaît, s'il mais te plaît, recule, s'il te plaît. Non, recule, non, recule. non, c'est bon, je tue, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je tue. Ok, je vais éternuer. Alors, ne Je dis, je vais regarde éternuer. pas, ne regarde pas vers, je sais, regarde plus, ok. Regarde plus, c'est bon, quoi, regarde plus, Il y mon en jeu a sportif. trois, il y en a trois. Hein. Si jamais. Alors, si jamais on a fait un live avec Sora sur ma chaîne avant, et vous savez que Sora est phobique des araignées Ah comme ouais, c'est pas fou, jamais, hein. C'est pas fou, mais j'avoue. vraiment, et jusqu'à en devenir insupportable. Du coup, les Là, araignées je dans suis pas. Minecraft, c'est pas possible. Hein. Clairement, ce n'est pas possible. Hein, clairement. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, comme il y en a quelques-unes, il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup. En vrai, il y en a Donc vraiment c'est beaucoup. moi, je suis la chasseuse d'araignées La chasseuse d'araignées professionnelle. attitrée, c'est ça. C'est un peu mon garde Voilà, du c'est ça. corps des araignées, vous voyez. Alors, du coup, on n'a pas de bois. Il nous faudrait du bois pour qu'on ait des torches, tu vois. Ouais. Donc, je vais faire. Parce qu'on n'a pas de bâton, tu vois. Il nous faut des bâtons. Si on a quelques bâtons quand même. On a quelques bâtons. Alors tu sais quoi? Hop, on va faire ça. On va faire ça. Hop. Et voilà des petites torches. Ok, j'en ai 34. Mais il nous faut du bois maintenant. Il nous faut vraiment du bois. Ok. J'ai plus de hache, moi. Moi non plus. J'ai plus rien, moi, en fait. Il faudrait qu'on J'ai aille en tellement faire en fait fait. rien, quoi. On s'est tellement fait tuer. On était tellement nuls que. Bah, on n'était pas très très opti, on va dire ça comme Oui. ça. On n'avait pas beaucoup de chance. En vrai. C'est ça plutôt.
Allez, on va dire ça. On va dire ça. Pour faire plaisir. Du coup, on va récupérer quand même un petit peu de bois, ce serait cool. Par contre, il y a des arbres qui flottent. Il y a plein d'arbres qui flottent, je sais pas pourquoi, mais il y a des arbres qui flottent. C'est parce qu'on n'a pas enlevé tout le bois des arbres. Du coup, il reste en mode suspense. Ah, d'accord, okay. Ok. Très bien. Hop. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Et en vrai, c'est je te refais des trucs les... en fer, j'imagine. Ouais, c'est ça. Quoique, non, ça va. Une pioche en fait. Ouais, une pioche, j'avoue, une pioche. Une pioche et une hache, ça serait cool. En vrai. Ouais, parce qu'une épée en fer, toi, ça va te servir à rien. Oh, déjà, j'en ai une et je m'en sers très très bien, ok. Je suis un vrai aventurier, c'est juste que voilà. Je préfère, tu vois, utiliser la méthode pacifique, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui est violent, tu vois. Quand je dis pacifique, c'est la fuite, tu vois. Voilà, la fuite, bien sûr. Parce que. Ça marche, hein. Ça marche, bien sûr, c'est juste pas très très radical quoi. Bah écoute, alors... hein. Hop, des bâtons, j'en ai 44, donc là techniquement on est pas mal. En termes de bâtons, on est pas mal. Hop, hop. Hop. Ensuite. Hop, 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 hop. Une hache comme ça, voilà. Y'a plus d'arbres nulle part quoi. On a tout déforesté. Déforesté. On a tout déforesté. C'est horrible. Bah attends, la déforestation, c'est horrible. C'est vrai, c'est vrai. Bah ça va, arrête, s'il te plaît, il y a toute la forêt encore. On a cassé quoi? On a cassé 3 arbres à tout péter. C'est pas faux. Alors. Alors, j'ai plein de petits bâtons et des torches, si tu veux. J'ai pas mal. Je suis reparti en mouchage furtif. Le fameux... Bonjour. On change pas les bonnes habitudes. Bah voilà, on change pas les bonnes habitudes. Non, c'est clair. Hop. Alors, je... finis cet arbre là. Yes. J'arrive. Vas-y, vas-y. Voilà. Moi en vrai, je suis bien. En vrai, je suis plutôt bien. Ouais, là on est pas mal, mais le but ça va être de retourner du coup dans la grotte. La fameuse. La fameuse et de ne pas mourir comme des merdes. Est-ce qu'on est déjà mort comme des merdes à l'intérieur, franchement? Non. Non, mais non. Oh, mais non. Absolument pas. En vrai, un petit peu. Bon, du coup, je suis dedans. Je t'attends. On repart là-dedans. On va essayer de faire un petit peu les aventuriers. Quand même. Un petit peu, ouais. Alors c'est quoi le paillot texture? Je crois que c'est un truc genre Red, je sais pas quoi. Je sais pas si t'en rappelles. Redcraft R4D, un truc comme ça. Voilà. Et c'est plutôt joli. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et ça change un petit peu de BDcraft du coup. Ouais, ça change, ça rend bien. Alors où est-ce qu'elle est, Marie du coup? Elle est partie faire ses bails à côté tranquillement. Non, j'étais dans la maison. Ah d'accord, ok. Mais on a de la bouffe ou toujours pas? Moi j'en ai beaucoup. Ok, bon ça va. Tu peux m'en donner un peu? Non, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Tu fais peur là, avec ta tête là. Alors, du coup. Mais non, c'est faux. Tiens. Mais non, c'est faux, non mais. C'est faux. C'est clairement faux. Hop. Let's go. Ouais, ma tête elle fait pas peur, ok? Elle est mignonne, ma tête. Ta tête elle fait pas peur. Laisse-moi tranquille. Un petit peu. Oula, ça fait peur. Putain. Ah ouais, comment ça, avec les shaders, ça fait vraiment flipper la grotte, hein. J'ai pas de mytho. Ah ouais? De fou, hein. Non, c'est plutôt ton pack de texture parce que la pierre elle est vénère, hein. Elle est vraiment en mode. Ah ouais, ouais? Parce que ça fait vraiment genre grotte de l'extrême quoi. Alors attends, il y a un squelette qui m'a attaqué direct, il a pas attendu. Sauf que j'ai fait graphique. J'aimerais bien augmenter un petit peu la luminosité, voilà, je vais mettre à 100%. Comme ça, ils vont peut-être voir un peu plus. Je sais pas si ça a changé quelque chose en vrai. Je sais vraiment pas si ça a changé quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oh! Je me suis fait attaquer par un squelette. Ok, tout va bien. Très bien, moi on m'a calmé. On m'a explosé dessus. Ça m'a calmé. Beaucoup. Ah! Vraiment beaucoup. Non, bah, il me reste pas beaucoup de vie, j'ai pas de mytho. Ah merde, bon, faut manger. Faut que tu manges. Hop, voilà, c'est bon. Faut que je mange, ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Ça fait bruit. Toi, t'es avec tes flèches, tu t'es fait défoncer, mais. Ah, moi, je me suis fait défoncer, moi. J'étais pas prête. Wow. Putain, mais vraiment, là, allez arrêter de mettre des screamers comme ça, c'est pas cool, vraiment. Ça aurait quand même avoué que Minecraft lui faisait plus peur que FNAF quand même. Mais clairement. Mais FNAF quoi. Fortnite, c'est moins, ça fait moins peur que Minecraft, clairement. N'importe. C'est quoi ces bruits chelous là? Mais regarde, il nous saute dessus, c'est bon là, arrêtez-vous. Il y en a plein, mais voilà. Oh, il t'a tué? Mais oui. Mais what the fuck. Mais... il s'enlève ma vie en plus. Attends, ah, Marie, on va déjà, Marie, si tu commences comme ça à me laisser tout seul, tu vois, avec mes... Non mais y'en a combien? Et en vrai, je pense qu'on est à côté d'un spawn parce que là. Mais oui, il y a un spawner, je pense. En vrai, c'est vraiment violent là.
Oh là là là. Genre ça continue d'arriver mais... Wow. Y'a quoi y'a... Oh y'a Marie... Y'a Mary Poppins. Y'a une sorcière. Oh là là. Ma sœur bien aimée. Oh. Oh c'est quoi ce bordel. C'est quoi ce bordel. C'est quoi cette merde. Attends. Je vais mourir. Attends. Pourquoi y'a Mary Poppins là. Frère y'a Hermione Granger je te promets. Oh, elle est en train... Clairement. Elle m'a calmé. Ah là c'est McGonagall, c'est McGonagall, c'est vraiment McGonagall, on dirait, ouais, on passe plutôt. Tu peux Ah non clairement, t'es malade ou quoi, y'a McGonagall, elle est venue, elle a mis un coup de pression, je suis parti chez moi, hein. Je vais crever, bon je me mets là, je me mets de côté, ah non je suis pas mort, bah tu sais quoi, je me cache ici. Hop, voilà, le temps que je récupère ma vie, très bien. Attends, laisse-moi s'il te plaît reprendre mes esprits, est-ce que McGonagall est toujours là-bas ou pas? Ah par contre c'est bon là, son empoisonnement il dure combien d'années là? Sinon, je sais pas combien de temps on en dure, parle en fait. Ou pas? C'est bon, c'est fini. Non c'est bon, moi il va falloir, tu pourras me redonner de la bouffe du coup parce que... Ah mais oui, hein. Eh tu fatigues hein, hop tiens. Mais attends, mais toutes mes affaires, c'est pas ma faute, ok? Ok, alors attends, est-ce que McGonagall est toujours là ou pas? McGonagall, putain. Franchement je la vois pas pour l'instant. On va pas prendre de risque. Elle est toujours là-bas. Je la vois, là. Elle pue tellement la mort là qu'elle a des espèces de trucs qui. Tu vois, ils sont au-dessus là. Ouais, mais le truc c'est que. Je la défonce. T'es sérieux? T'es en sorcellerie! Oh! T'es en sorcellerie! Attends! Non mais meurs un peu, non? C'est bon, je l'ai tué. Ah, je vais faire experto patron. Experto. Je vais faire experto patronum, elle a pas compris. Par contre, je pense que ce sera le décès. Sans aucun doute. Ah non, en fait, elle tue pas, j'ai l'impression. Mais j'ai pas un squelette, mais c'est pas possible. Mais j'ai. T'es où? J'ai du sucre. Franchement. Mais Marie, t'arrêtes de mourir un peu, putain. Mais j'ai rien, moi, j'ai plus rien. Mais récupère tout ce que t'avais. Mais c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais y'avait un squelette. Ah, j'ai récupéré tes équipements. Mais t'es sérieux? Mais depuis tout à l'heure, je suis là. T'as pas pris mes affaires? Non, j'ai pas pris mes affaires. En vrai. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? T'es où du coup que je t'ordonne tes affaires? Si, il fallait faire attention, tu me les as donné aussi. Il fallait faire gaffe aussi. Je les ai pas donné. Si, tu me les as donné. Mais c'est. Bon, t'es où? T'es là? Ok, alors tiens, hop. Ta pioche, ta hache, tes os, tes torches, ton épée. Et ton sucre. Et mon sucre? Oh, t'as vu et ma viande? J'ai pas la viande par contre. J'ai pas la viande par contre. Désolé, j'ai pas la viande. Non, passe mytho, je fais ce que je peux, ok. Ok, très bien. Bon. Et là, ta viande, je crois. Ah. Non, encore, mais le. Oh, mais ils sont combien juste? On non, en parle ou pas? Ok, c'est bon. Possible, hein. Ouais, clairement, mais pourtant, on sait pas où t'en fais défoncer quoi. La dernière fois. Bah, je crois. On va aller défoncer le spawner parce que là, c'est plus possible. Ouais, c'est pas possible. Alors. Hop. Du coup. Merde. Attends, j'ai peur. Attends, on y va doucement. Mais on n'est jamais venu par là? Bah non. On est déjà venu par ici, bien sûr que ça, on est déjà venu par là. Bah non, y'a pas de torches. Regarde, pourquoi y'a des torches ici? Ah ouais? Bien sûr que... What the fuck? What? Je sais pas, je saurais pas te dire. Quel est cet endroit? Ok, alors attends, on saute. Ça. Mais t'es malade toi? Oh, y'a un creeper. Et s'il me voit... Ah, il m'a vu. Ah, je suis dans la merde. Non, mais... Très bien, bon. Est-ce qu'on en parle un petit peu de cette catastrophe? Attends, y'en a un autre. Attends, je suis pas mort. Tu me laisses s'il te plaît récupérer mes PV. Parce que je suis un peu mal là, j'ai pas de mytho. Oh là là là. Les bras cassés, hein, je te jure. Hein. Ça mérite un mouchage furtif, tu vois. Ah, pendant qu'il va se faire exploser par un creeper, le mouchage furtif, d'accord. Non, je suis immunisé. Non, mais honnêtement, je partirai pas là-dessus. Je suis immunisé pendant les mouchages furtifs, j'ai pas de mytho. Bon, en vrai. Ça va, je suis de nouveau bien, je suis de nouveau OP. Par contre, t'es pas là, je t'avouerai que sans toi, je suis un peu perdu. Ah, y'en a encore un. Salut, comment ça va? Oh, tu m'as vu? Je crois que je me suis. T'es moche? Ah, tu peux pas exploser. Ah, si, tu peux exploser. C'est quoi? Explose ici, tu me feras rien, attention, regarde. Explose, bitches. Ah, ok, bon, il m'a touché en fait, hein. Je pensais pas qu'il. Mais il m'a touché. Alors, il m'a dit coup, clairement bonjour. Je ne peux plus descendre. Ouais, t'es fait quand? C'est plutôt intéressant. Tu sautes? Non. Mais pas le temps de niaiser. Pourquoi? Mais je t'entends faire tes petits cloc là. Tu fais cloc où là? Moi? Mais oui. Moi je me fais un escalier. Voilà. Mais où est-ce qu'elle est? Okay. Mais elle est où? Mais. Je suis là, mais t'es où? T'es parti où? Mais toi t'es où? Mais je suis au niveau de là où il y a plein de torches. Je suis là, je suis en dessous de toi. Reviens. T'es en dessous de moi?
Ouais, non, mais reviens. Ah, Voilà, salut, ça va? coucou. Ah, tiens, il y a du fer. Hop, laisse-moi faire. Oh là là, c'est drôle, mais Super, c'est drôle, est-ce que excellent. j'ai du fer et tout, t'as vu? Bon, alors, du coup, maintenant, laisse faire le général Sora, ok? D'accord. On m'appelle Général Sora dans le milieu. Après, bon, je veux pas, tu vois, être un peu prétentieux, mais c'est comme ça Ah qu'on non. m'appelle, c'est comme ça qu'on m'appelle, tu vois. Absolument pas. Donc, du coup, Général Du coup, Sora. les généraux, tu sais, ils ont beaucoup de courage et ils vont en C'est pour premier. ça que je te dis que là, j'y vais en premier, Général Sora au rapport. Ouais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je te dis, moi, hein, dans le milieu. Oh, c'était quoi cette. Oh! Il y a une araignée! Attends, elle m'a vu, mais. Oh Alors, là 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 là! général, général, Attends! qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu avec sa gueule rouge ignoble de le. Je me suis demandé ce que c'était! C'était horrible comme moment! C'était horrible, putain! Ne vous inquiétez pas, mon général. Vous avez des soldats. Enfin, vous en avez un et franchement, Franchement! vous êtes mal barré avec, mais bon. Franchement, la vérité, la rotif, juste pour ce moment, elle est ex. Juste, tu regardes, j'ai bugué. Genre, j'ai vu le visage rouge, j'ai fait, attends, mais qu'est-ce que ça peut être ce truc? Bah, c'était une araignée! Hein, tu sais ce que font les généraux pendant les guerres? Ils envoient leurs soldats. Soldats! Ah, bah Foncez, bien soldats! sûr. Foncez, soldats! Je l'ai tué, hein. Bah, foncez quand même, soldats! Passez en première ligne! Oh, tu Ah! prends un généraux. Oh, soldats, c'est là-bas, soldats, que ça se passe! Hein, Attends, attends, je vais pas remonter. J'ai eu tellement peur. Mais j'ai eu tellement peur, putain! Sûr que c'est par là? Oui, c'est par là, c'est par là. Oh, un général ne se trompe jamais, ok? Je veux pas être méchante avec vous, mon général, mais je pense qu'on va pas au bon endroit, ok? Écoutez, écoutez, soldats. Qui prend les décisions ici? C'est vous, mon général, mais regardez, comme je le dis. Écoutez, soldats. C'est exactement ce que je vous disais, c'est pas par là qu'il faut aller. Soldats, putain, commencez pas, hein? Ok? C'est quoi ça? Alors, par contre, il y a du fer. Attendez, attendez, on va quand même miner ça. Attends. Oh, il y a pas mal d'endroits ici. Mmh. Alors, attendez. On est bien d'accord, général, que je n'ai pas crié. Hein. C'était juste un cri de. Tu viens de m'appeler général? Merde, on est d'accord que moi, général, n'ai pas crié. On est d'accord que c'était un simple cri de guerre. Ah, bien sûr, bien C'est en entendu. fait, c'est un peu un AK, tu vois, c'est pour faire peur à l'ennemi. Tu sais, ils s'attendent pas que je crie comme ça, tu vois, et boum! Tu vois? On va laisser les abonnés juger. Est-ce que Général Sora Écoutez les a amis, crié ou écoutez. est-ce qu'il a fait la femmelette? Laissez le général avoir ses bails, d'accord? Mais vous êtes où, soldat? Putain, mais elle est où? Mais je sais pas moi, mais t'es parti. Je vais te virer de mon bataillon. Non, Go là! tu vas Allez, te, go! vous allez vous retrouver tout seul, hein? Alors Un déjà, général tout en seul, général, on se hein? retrouve tout seul, je n'ai jamais tout seul, ok? C'est pas toi qui quitte le général, c'est le général qui te quitte, d'accord? Donc maintenant. D'accord. Ok, allez, go, soldat! Par Alors, contre, du coup, par où? je vais pas de pito, je pense qu'il vaut mieux descendre. Et pas se faire descendre, Ah hein? bah bien sûr. Nuance, hein? Je pense que les abonnés sont d'accord sur Il y a quand même des gens trop adorables qui font. Non, ils crient pour faire la guerre et tout. Il y a quand même des gens qui me défendent. Franchement, vous là, les gens qui me défendaient, les amis, je vous aime. Vous êtes les Non mais meilleurs. arrête! Les Arrête de autres, te vous êtes des faire gros trouver crevards de adorable là! En l'espace. mode oui, il y a quand même des gens qui sont Il y a adorables quand avec même des toi et gens tout. qui sont adorables. Arrête! Tu vois, il y a des gens qui Arrête! défendent. Des gens qui défendent le général, tu vois. Il y a des gens qui sont contre le général et eux, ils finiront en prison, tu vois. Alors que ceux qui Non mais défendent le on est général, bah d'accord, on est sachez-le, les d'accord. amis, sachez-le. Vous aurez une place de choix dans mon armée, vous le savez. Ne tombez pas dans ce jeu. Ne tombez pas dans ce. Bon alors du coup, t'es là ou pas? Bah du coup je t'ai encore perdu, Mais c'est parti. oh! C'est bon, c'est bon, je suis Hein? là, je suis là. Ok, Ok, voilà. du coup. Moi je te propose qu'on aille par là. Soldats, en avant toutes! Ouais. Allez, c'est parti. Alors attends, je propose de faire ça parce que j'en ai ras-le-bol de l'eau en Ouais, fait. bah écoute, je suis complètement d'accord, soldat, c'est exactement ce que j'ai. Non, par contre, soldat, on va se calmer parce que c'est notre moyen de descendre, d'accord? Adlèche, putain! Vas-y là! Alors, notre Bon, moyen de descendre? merci beaucoup, Adlèche, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. On va descendre, puisqu'on est un peu des thugs. Bien sûr. On est des demi-thugs, j'ai pas de mythe. Alors, du coup, soldat, Oui. on va aller par là. Ok? Par là. Allez, c'est Par là. parti. L'eau, franchement, elle est trop belle. Hein. Pas de mytho. Ouais, franchement, ça rend trop bien. Je suis trop fan. Alors. J'arrive. Je suis derrière, je ne suis pas loin. Alors, on en était où? Alors, soldat, on va. Oh, regardez, soldat. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Du fer. Qu'est-ce que le général vient de trouver? Non, ça m'a les couilles du fer. Qu'est-ce que le général vient de trouver? Il vient de trouver une nouvelle entrée? Eh ouais? Je l'avais trouvé avant, Oh, mais tu te c'est détends, pas tu te grave. détends, tu te détends, tu. Wouah! Ok. Attends, 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 recule, Non mais j'en ai recule. marre de ça, putain!
Non mais attends, mais franchement... Attends, y'a un squelette. Si le général pouvait se battre aux côtés de son soldat... Il... J'arrive, soldat. Voilà. Voilà. Attention, hein. Où est-ce que sont les... Putain, j'ai... Ça va être fameux, cette série sur Minecraft, ça va être extraordinaire. Non, en vrai, tu regarderas la rediff. Franchement, ouais, c'était impressionnant quand même. J'ai vu une armée se dresser devant moi, une armée. Ils étaient au moins 50. Je te jure, c'était vraiment... ils étaient 50, c'était super impressionnant. Et du coup, voilà quoi. À un moment, moi, tu vois, je veux bien être un général sans peur et sans reproche. À un moment, tu vois, j'ai aussi mes petites... Je suis, je reste humain, j'ai aussi mes petites faiblesses, tu vois. Bien sûr, soldat. Bon. Alors, après cette connerie. Soldat. Virginité sur... Merci, Louis. Merci, Louis. L'obsidienne est trop jolie, l'obsidienne brille, c'est magnifique. Alors, on va continuer, parce que là, du coup, l'objectif, c'est de quand même trouver du diamant. On va pas se mytho. Oui. Du coup, là, on est à peu près au bon endroit. On est à couche 14. Bah, franchement, on est bien, tu vois. Parce que 7 plus 7 égale 14. Et c'est exactement là qu'on trouve du fer. Du diamant. Ok. Donc là, en tant que général, je t'ordonne d'aller par là de... d'aller en première là-bas. Ok, non mais... Ne l'engagez jamais en tant que général, hein, s'il vous plaît. Oh, laisse-moi. Alors, en fait, c'est pas une si bonne idée que ça. Hein, passe mytho. Ouais, là, à part si tu veux faire un The Floor is Lava, ce qui en soi pourrait être rigolo. Hein. Ouais, c'est rigolo. C'est pas la bonne, c'est pas le bon endroit. Du coup, putain, où est-ce qu'on va où là? Mais le diamant, sans déconner quoi. Va falloir miner nous-mêmes. Bah, possible. Falloir miner. Hein. Pourquoi y'a rien? Je veux pas te miner le moral, mais. Ah, on s'amuse, hein. Ah, on s'amuse, hein. Passe mytho. Alors, bah du coup, on va commencer à... Par contre, tu vois, c'est extrêmement chiant le fait d'avoir... De pas... Enfin, je sais pas, où faut miner, en fait. Je suis complètement perdu. T'es où, toi? Je suis retourné là-bas, attends. Mais elle est où? Ah, elle est d'accord, dire... ok. D'accord, très bien. Bah, écoute, on va miner. Ok, très bien. Je suis d'accord avec toi. On mine, allez, c'est parti. Bah, c'est parti. Dit, oui, voilà, autant qu'à faire, autant miner, hein, parce que là, on est couche 13. Alors déjà... C'est 11 ou 14, bon, tu sais quoi, je sais plus. On va faire un truc. Soldat, le général a une idée. On va miner pour trouver du diamant, ok? Oh, mon général, mais c'est tellement... C'est vraiment une bonne idée. Bah, je sais, tu vois. Je voulais pas t'en parler au début parce que c'est une trop bonne idée, tu vois. Je pensais qu'il fallait la garder pour nous. Mais en vrai, je me dis que bon, autant partager mes idées. De quoi la garder pour nous? Mais vous êtes plusieurs dans votre tête, mon général, ou ça se passe comment? Écoute. D'accord? Contredis pas le général. Alors, Louis dit, c'est 11-13. Alors, attends. Mon soldat, le général a une idée. Les diamants, je crois que dans la couche 11-13, plus ou moins. D'accord, mon général. Donc je pense qu'il faudrait descendre dans la couche 11-13. C'est drôle, parce que c'est exactement là où je me trouve. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est une grosse coïncidence. le soldat Kaamelott a dit couche 11 pour le diamant. Et c'est exactement ce que je viens de dire en tant que général. Alors, j'ai trouvé de la redstone. Alors malheureusement, on s'en bat les couilles, hein. Clairement. Pour l'instant, on s'en bat les couilles, mais tant qu'à faire, écoutez, c'est toujours ça. En vrai, c'est toujours ça. Hein, mais voilà. Ok. Moi, hop. Je vous dis, il faut du diamant. Donc... Écoute, le général te dit qu'il faut du diamant. Donc trouve du diamant, d'accord? J'entends de l'eau. Et qui dit eau? Non, c'est pas de l'eau. C'est de la lave, je pense. Excellent. Oh! Excellent. Tiens, le général a trouvé une sortie. Oh, le général a trouvé des choses pas mal intéressantes. Oh là 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 là. Et le général parle de lui à la troisième personne. Sinon, c'est pas drôle. Hein, ce qui est plutôt intéressant. Attention, hein. Le général s'avance, le général ne trouve rien. Très bien, alors j'ai rien trouvé. Il y a du charbon et de la redstone. Sauf que comme dit précédemment, bah on s'en bat les couilles. Clairement. On est toujours à la couche 11 ou pas ici? Faut que tu fasses F3 pour voir, on est à la couche 13 là. Alors si jamais, le général te dit un conseil, si jamais, tu fais F3 pour savoir, ok? C'est vrai? Ah, ouais. Et où est-ce qu'il faut lire après sur F3? F3, il faut que tu lises exactement le XYZ. Oh, il le sait. Ah, le général sait plus de choses que tu ne penses. Bon, alors, du coup, on continue à miner. Du coup, on va continuer à miner. De toute façon, là, ça a l'air d'être une grotte vraiment en gruyère, donc si on mine un tout petit peu, on va trouver quelque chose. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. La raison, c'est une grotte qui est plus ou moins en gruyère, donc si on continue à miner, on va plutôt... Alors, quand tu prends mes trucs, essaye-moi de dire les mots correctement. Non, parce que comme c'est en gruyère, je comprends. Ouais, tu vois, c'est en gruyère, tu vois. J'ai plus beaucoup de torches. Ah, j'en ai 35 encore, ça va, t'inquiète. Ah bon, ok, ça va. Bon, j'ai du fer, mais le fer, on commence à en avoir pas mal. Ouais, clairement, ouais. Là pour l'instant, je trouve pas grand chose. J'entends de l'eau. C'est sûr que c'est de la lave qui fait ce bruit là. Parce que c'est un bruit vachement cristallin, tu vois.
Un bruit cristallin. Un bruit cristallin, tu vois. C'est un bruit... Tu vois ? Je vois. Bah écoute, tu verras quand tu tomberas dessus. Mais j'ai peur qu'à cette hauteur, ce soit de la lave. D'accord, très bien. Je veux pas te mytho. Je veux pas... Voilà, je veux pas... Contrarier le général. Wow, voilà. Salut ! Comment ça va ? J'ai failli faire un, Sora Islava, tu vois. Ça aurait été intéressant, hein, mais pas très productif. Effectivement. Alors par contre, j'ai trouvé la lave. Par contre, t'as pas de soucis pour ça, je l'ai trouvé. Il y a aucun problème là-dessus, je l'ai trouvé, je l'ai bien trouvé même. Salut Ryan, je l'ai bien trouvé. Par contre, le diamant, toujours abonné absent. Toujours pas. Ah, hein. Oh, ça c'est du bleu. Ah, oh, dommage. On va bien finir par le trouver. Ah, j'ai plus de pioche. Ah ouais. Ah ah. Et bah, sache que le général a toujours sa pioche. Ah. Et ouais. Il y en a qu'une. Ah, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ah, très bien, et bah écoutez, je vais vous suivre derrière, je vais juste vous regarder miner. Ah là, bien sûr, hein. Général, toujours tu vas tout faire. Bon, par contre, on par trouve contre, pas grand chose, hein, pas de mytho. On est en train de se perdre, mais comme jamais. Mais non. Alors, tu vois, j'ai un très bon sens de l'orientation. Et ouais, je peux te le dire, hein, le général sait toujours ressortir de par où il est rentré. D'accord, bah du coup, je vais te laisser. Voilà, je vous laisserai ressortir de vous-même, je vous suivrai. Bah franchement, bien sûr, n'aie pas peur, le général est là. Par contre, le général en a un petit peu marre de putain de miner dans le vide et de rien trouver. Non, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt ? Ça se laisse désirer. Très bien. C'est quoi, je vais te laisser placer les torches. Hop, voilà. Comme ça, j'ai, tu vois, que tu sauras quelque chose, que je suis général quand même, je suis pas un soldat, c'est les soldats qui mettent les torches, c'est pas moi, ok ? C'est quand même le général qui est en train de miner et le soldat qui regarde. Oui, bah, avec des. Moi, je suis un général actif, ok ? D'accord, bien sûr. Ah ! Je comprends. J'ai du charbon. Oh ! Qu'est-ce que je viens de trouver ? Une autre grotte ? Eh ouais, soldat ! Alors, pendant qu'on se tourne les pouces. Hein ? Pendant qu'on se tourne les pouces, j'ai trouvé absolument rien. Je dis ça, je dis rien. Mais elle pue la merde, ma grotte, j'en peux plus. Ah. On va mettre 1000 ans. Alors, je vais pas vous mytho, soldat, mais je n'ai plus de pioche. Voilà. Et c'est... Ah. Tu vois, c'est intéressant comme situation parce que toi non plus. Du coup, on part sur une base de 0 pioche et donc on va ressortir. Alors, du coup, je vous laisse guider le chemin. Alors, j'ai un très bon sens de l'orientation. Écoute, très bien. On va passer à droite. On va passer tout droit. Et après, on va monter là. Non, t'inquiète. C'était par là. Oh, tu te détends. Oh, hein. Heureusement que le soldat, il est là pour avoir mis 4 torches par terre. Alors, déjà, je savais très bien qu'il fallait passer par là. Je voulais juste tester ta capacité à être un bon soldat. Bien sûr. C'est pour ça. Eh, laisse-moi faire les tests. Je fais les tests à mes soldats quand je veux, d'accord ? Bien sûr. C'est pour voir si t'es efficace ou pas, tu vois. Et quand je parle d'efficace, je parle pas de l'attaque de Pokémon. Hein. Bien sûr que non. Bien entendu. Alors du coup... J'ai le droit de démissionner ou pas encore ? Non. Alors déjà, quand t'es soldat, tu l'as toute ta vie, ok ? Par contre, mon général, je vous ai perdu. Oh, putain ! C'était un cri de guerre. C'était un cri où j'étais rassuré. Je n'ai pas eu peur. Sur la rediffusion, hein, vous avez l'air très très rassuré, hein. Franchement. C'est un rôle, c'est pour faire peur à l'ennemi, je lui fais. Alors écoute, quand on est général, on sait utiliser plusieurs tactiques, d'accord ? Ok ? Là, c'était une tactique pour faire croire que j'avais peur, du coup, il était en confiance, tu vois ? Ah, il était en confiance, du coup, il a bien explosé. Ah, oui, il a bien explosé. Ah, oui, du coup, tu Est-ce vois. Que vous voulez que je monte en premier ? Alors, franchement, non, parce que je suis un général et que. Que le général a sa putain de fierté. Tiempolo. Ah, bon ah coucou Tiempolo, je passe comme ça mais je m'en vais demain, je bosse du coup, bonne chance à vous deux, je vais me coucher, les bonnes nuits à toi et Marie, bisous Tiempolo. Général t'embrasse. Et du coup, bon courage pour le boulot. Alors du coup, puisque j'ai une virilité proche du niveau 100, sur 100, bien sûr, bien entendu, je pense que je vais commencer à y aller en bunny, tu vois. C'est pas par là. Bien sûr. J'en peux plus. Et ça fait deux fois que je me trompe d'ici, hein. Ça fait deux fois, c'est le même endroit à chaque fois, putain. Alors du coup, c'est exactement par là. En fait, c'était pour tester ta situation, ton petit peu ton centre d'orientation, et tu as échoué au test. Ah, mais en fait, moi, je savais que c'était par là. Ok ?
Hein? Okay, on ne contredit pas le général, ok? Ah moi non, jamais. Il est où le général d'ailleurs? Général, il est pratiquement sorti le général, ok? Parce que le général il pèse. D'accord. Bon ça va. Général, il a trouvé la sortie, je crois. Oh mon dieu. Alors, j'arrive. Alors. Hop, 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 hop. Est-ce que. C'est bon, j'ai la sortie. Ah il pleut! Et qui dit la pluie? Ah. Dis le beau temps. Dis le beau temps, voilà. Voilà, et c'est exactement ça. Exactement. Du coup, on a réussi à ressortir sans mourir. C'est déjà pas mal. Franchement, c'était inespéré. Pas de pito. C'était inespéré. Pas de mentir. Alors, je vais déjà mettre un petit peu tout ce qu'on a. Alors déjà, de la pierre, on a. De la pierre, je peux te le dire. On en a. C'est bien. Écoute, c'est ah, apparemment, la sœur du général est dans le chat. Oui. Bonjour princesse. Sœur du général. Bonjour princesse. Oui. Oh, parce qu'elle adore Minecraft, ça m'étonne pas qu'elle soit là, elle adore Minecraft. Ah, c'est bien alors. Alors. Je pourrais constater à quel point ton grand frère est un général femmelette. Courageux, courageux, Oh, hein, soldat, hein. Ah. On se détend, hein. Si tu veux pas que tu sois renvoyé. Ah, je pensais qu'on était soldat à vie. Ah, mais t'es soldat à vie, je veux que moi je décide que tu sois plus soldat, ok. D'accord. Alors par contre, à niveau fer, on est vraiment, vraiment posé, hein. Ouais, je parle pas d'Hugo. Hugo posé. De mais de quoi parlait-il là? Ouais, on a dit que j'étais posé. Hugo posé. Ah oui, d'accord. Non, bien sûr. En fait, j'entendais pas. Ça a coupé. Ah, bien sûr. Ça a coupé, bien sûr. C'est pour ça que écoute, ça a coupé. Bien entendu. Attends, du coup, mouchage furtif. Essayez d'être viril devant votre sœur, général. Alors, soldat Louis, sache que le général est toujours viril, d'accord? Ok. Donc, hein, on se détend, hein, soldat Louis. Hein. Attention. Alors, j'ai des arcs qui ne servent à rien. Je sponsoriserais le compte d'Olivia pour qu'elle ait sa petite couronne. Oui, ça, je me sponsorise à ma propre chaîne. Ah, mais oui, le général se sponsorise tout seul, ok? Voilà. Le général se sponsorise tout seul. Bien sûr. Le général a pas le temps de niaiser. Il a pas le temps. Oh, un arc! Moi, je prends l'arc! Bah, il faut des flèches. Ouais, bah j'ai des flèches, Nickel! J'en ai 8, ça n'est pas beaucoup, hein, mais attends, vu vu la vie de l'arc, ça va pas aller très très loin, mais on prend toujours! Alors, je peux faire 2 pioches en fer. Là, il nous faudrait de la viande et il nous faudrait des petits trucs. Attends, fer, j'en ai 10, je vais pouvoir me faire. Oh, je l'ai même je le fais même pas exprès pour le moment. Je vais pouvoir me faire. C'est pas facile, hein. On se détend. Hop hop. Détendu, toujours détendu. Toujours détendu. On va se faire hop là 2 pioches en fer. Hop hop. Parce que 2 pioches en fer c'est mieux qu'une. Bien entendu. Une hache, voilà. Il faut des torches aussi parce que clairement des torches ça manquait un petit peu mais on a pas énormément de charbon. En fait faut vraiment qu'on prenne plus de charbon en vrai. On sous-estime la puissance du charbon mais. Faut vraiment qu'on commence à charbonner quoi. Moi personnellement j'ai trouvé ça drôle. Alors, hop, du coup, fer, j'ai laissé pour toi, si jamais t'as besoin. Torche. J'ai 2 pioches en fer, bah c'est bon. Ok, Ayano, le général est une petite femmelette. Alors déjà, soldat Ayano, on va se détendre, arrêtez de contester l'autorité du général, ok? C'est bon, vous laissez le général tranquille, putain. Du coup, le général a 61 torches, ce qui est déjà pas mal. Il a pas beaucoup de viande de mouton, il faut qu'on défonce du mouton. Ah, ça va casser du mouton, on va dormir, on va casser la gueule de pas mal de moutons. Allez, on dort, soldat. Allez, c'est parti. On va y arriver. Est-ce que vous êtes prêts, soldat? Et là, tout le monde dans le chat doit faire « Ouais !» Est-ce que vous êtes prêts, soldat? Là, tu dois faire « Ouais !» Oui, tous les soldats, ils sont prêts. Ouais. Même si là, théoriquement... Dans 15 secondes, ils seront prêts. Dans 15 secondes, ils seront prêts, t'inquiète. On va casser du mouton pour avoir pas mal de viande. Louis, le général ne s'est pas respecté, général. Alors déjà, soldat Louis. Hein? Ok? Vous voyez la répartie du général? Elle est inexistante, putain. Alors non seulement c'est une femmette, en plus il a pas de répartie, mais c'est quoi ce général? Mais je vais vous casser en deux soldats. Regarde, tu vois là tous mes soldats qui sont prêts. Ouais. Tu vois, j'ai une armée, d'accord. Ouais, mais les soldats ils pourraient renverser le général, tu vois. Déjà ils font pas de coup d'état, ok, parce que déjà il y a pas d'état. Hein, donc... Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver du mouton. Évidemment il y avait 36 milliards de moutons, et bah il y en a plus, putain. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé.
Il y a même des chevaux. Oh, il nous faut un cheval, t'en déconnes. Oh, y a, oh là, il y a une horde de moutons. Il faut, pour les chevaux, il faut des selles, comme ça, ça peut être nos chevaux. Ouais. Oui. Let's go. Soldat, quel est votre métier? Ah ouh. Ah bah regarde, mais... regarde les yeux des moutons. Oh putain, c'est génial. Mais what the fuck? Mais c'est quoi ces... Oh, il me regarde dans les yeux. C'est quoi? Pourquoi, Bobby? C'est quoi cette tête, Bobby? Meurs, Bobby. Putain, ils ont une tête. Ils louchent, mais dans le sens contraire. What the fuck? Cette gueule. Oh, il y en a un noir. Alors déjà, non, c'est pas le même skin de Frigel, hein, on va se détendre, ok. Le général ne reconnaît pas de skin de, d'autres personnes. C'est le skin de Sora, d'accord. Et pas quand c'est... je dis Sora, je parle pas de moi-même. C'est le vrai Sora, quoi. C'est le vrai Sora, le Sora de Kingdom Hearts, hein. Cette tête de mouton, mais cette tête de victime, mais... Oh, les moutons, ils ont une tête, mais exceptionnelle, quoi. Franchement, ils ont une tête exceptionnelle, c'est juste du génie. C'est du génie. Et je parle pas du génie d'Aladin, tu vois. Non, non, je parle du génie. Génie des moutons. Non, génie des moutons. Bien entendu. Hop. Chaque mouton a son génie. Bah évidemment. Alors, avant de partir trop loin. J'ai 19 viandes de moutons. Moi j'en ai 14. Du coup, ça nous en fait déjà pas mal de l'autre côté. C'est plutôt sympa. Donc je pense qu'on va pouvoir rentrer et buter quelques petits moutons sur le chemin. Il y en a plus. Ah, c'est là-bas. Hop, hop, boum. Et ouais, Bobby. T'entendais pas à ça. J'ai vu passer sur le chat, j'ai quand même vu passer un mari général. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, déjà, déjà. Le coup d'état se prépare. Supprimez-moi ça là. Mais supprimez-moi ça là. Supprimez. Arrête, il n'y a pas d'autre général. Il n'y a pas d'autre général. Il n'y a qu'un seul général. Mm-hmm. On verra quand on construira le château et l'armée. Attention, t'es sûr là, là il y aura T'es sûr que tu veux contester mon autorité, soldat? Ah non, pas pour l'instant. Non. D'accord, très bien. Pas pour encore, ça va pour l'instant. Bon alors attends, par contre, notre maison elle est où? Parce que là. C'est paumé, alors en fait. Déjà, c'est quoi cette maison de juste de c'est n'importe quoi cette putain de maison. C'est n'importe quoi là. Hein, c'est pas une maison à la hauteur regarde, de. Mais regardez juste pour emmerder quand même, sans déconner mais mince quoi, mais je sais pas mais oh, respectez un peu le général, non. Je suis fier de vous, communauté. C'est quoi? Très bien. Et eh ben je vais te tuer. Mais non, alors pour prouver mon autorité. Non, pour prouver mon autorité, il n'y a qu'un seul général, putain. Il n'y a qu'un seul général. Non, j'arrête. Oh, ça va, je suis gentil, ça va. Attention. Et si je te vois lever la main sur moi là, enfin je sais pas si on peut laisser une main mais OK. Attention. Ton écharpe là, il fait 40 degrés, t'as une écharpe, putain. Je veux être mari général. Est-ce qu'on peut ban quelqu'un qui a fait un don? Oh, merde. Alors attends, bon du coup. Alors du coup, j'ai pas. Pourtant, par contre, au niveau de laine, on est vraiment bien aussi, hein. Je peux te le dire, niveau laine, on est pas mal, hein. Alors, niveau charbon. Putain, on en a pas, quoi. Parce qu'on peut pas. On peut faire. Ok, parce que là, on a 35 viandes à se faire cuire. Je te propose, en vrai, qu'on prenne des pierres et pendant qu'on cuisine, de faire une plus grande maison à côté, genre une belle maison, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'en vrai, ça pue la merde. Passe mytho, ça pue la merde un peu, tu vois. Déjà. Donc pour faire une plus belle maison, il nous faut. Tu veux la faire en quoi? En bois? On pourrait soit la faire en bois, soit la faire en pierre. Mais en pierre, c'est un peu moche, quoi. En pierre, c'est un peu moche. Ouais, c'est un peu moche, on est d'accord. Hein. Dans ce cas-là, faudrait bûcheronner, quoi. Ouais. Bûcheronner. Allez, c'est parti. Let's go. En vrai, je nous verrais bien, tu vois. Genre, on pourrait faire limite une maison en hauteur entre les arbres, tu vois. Un peu comme j'avais un cousin, tu vois, il avait une femme, elle s'appelait Jane, tu vois, et genre il faisait pas mal de trucs dans les arbres, et je trouve ça plutôt joli, tu vois. Bah, entre nous, il s'appelait Tarzan, tu vois. Tamari, je viens de construire un village, je peux te le dire, tu vas kiffer. Regarde-moi ça. C'est mon travail, regarde, je me suis quand même fait chier. Regarde, regarde ce que j'ai construit. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ça vite fait, tu vois. Mais en vrai, je trouve ça. Voilà, c'est pas mal. J'ai essayé de faire un petit peu un truc genre mi-pierre, mi-bois. Ah ouais, comme ça, tout ça en 2-3 minutes, mais c'est rapide, tu vois, ça prend pas beaucoup de temps, tu vois, c'est limite, tu vois. Regarde, t'es où là? T'es où? J'arrive, je vois des chevaux là. Bah, c'est les chevaux que j'ai, c'est les chevaux, tu vois. Bah, regarde, du coup, j'ai fait ça vite fait. J'ai fait aussi quelques petits, tu vois, produits. Tu vois ça là? Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça s'appelle comme ça, tu vois. Des plantations. Qu'est-ce que tu penses de mon petit village du coup? Ah bah il est plutôt sympathique, hein, franchement. Ah j'aime bien, mais
Je sais pas, ça fait un petit peu impersonnel. Ah ouais? Moi je vais plutôt à un château pour le général. Putain, on a pris mon village d'assaut. Y'a des gens chelous. Y'a des gens chelous, putain. Est-ce qu'ils sont toujours aussi chelous avec ce pack de textures? Ils sont, ils sont extrêmement moches. On dirait des Carlos. Carlos. On, vraiment, on dirait Carlos de Bob l'éponge, en réalité, on dirait vraiment Carlos de Bob l'éponge. Ah bah ça c'est les villageois normaux. C'est vraiment dégueulasse, hein. Alors du coup, en vrai, on pourrait se servir de... Oh, attends. Non, ok, d'accord, très bien. En vrai, on pourrait se servir de ça pour récupérer notre bois, hein. On pourrait complètement tout péter. Mais après, c'est un peu triste pour eux, tu vois. Ce serait quand même pas... Ouais, allez, vas-y, on laisse tranquille, on laisse tranquille. Voilà, quand même, enfin, en sachant qu'il y a plein d'arbres aux alentours... Ouais, mais c'était pour éviter la déforestation, tu vois. C'est pas faux. Mais parce après, là... si on déforeste bien, l'arbre, il repousse. Ah ouais. Faut juste déforester jusqu'au bout. Oh, regarde, franchement, en vrai, hein, ça rend tellement joli. Oh, regardez-moi ça, quoi. Cette vue, c'est trop super stylé. J'aime beaucoup. Hop. Attends, ah, j'ai des piglous général. Ah, tiens, parce que Pigou est derrière, Pigou est derrière. For the... Oh Atsuko, c'est quoi ça là? C'est quoi? Est-ce que ce serait pas une mutinerie, putain? Est-ce que ce serait pas une mutinerie? Absolument pas, je ne vois pas de quoi vous parlez, mon général. Oh hein? Ok. Ok. C'est quoi ce truc là? Alors ça, il va falloir m'expliquer vraiment à quoi ça sert. J'ai jamais compris à quoi ces trucs servaient, quoi. Ils servent à rien, putain. Des espèces de poulpe calamar de l'espace, là. Pour de l'encre. Oh. Mais avec l'encre, tu peux faire. Je sais plus, mais tu peux faire des trucs avec l'encre. Voilà. D'accord, très bien. Mais ils servent absolument rien à part ça. Ils sont là, mais. Des poulpes. Mais les animaux, ils ont pas besoin de servir à quelque chose. Les pauvres, laissez-les vivre leur vie, ils sont tranquilles. Hein. Bah, je sais pas, ils pourraient. Je sais pas. Genre, on pourrait chevaucher un poulpe. T'imagines chevaucher un poulpe? Après, faudra faire des enclos avec des animaux. Yes. En plus, on a vraiment spawn quelque part où il y a énormément d'animaux. Ouais. Qu'en vrai, on est. Je pense que c'est plutôt pop. C'est super joli où on est en vrai. Oh là là, il y a une fontaine de lave qui donne sur l'eau. Tu vois, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Par contre, je suis en train tellement de partir, je vais me perdre. Ah non, c'est bon, j'ai le village en visu, ça va. On pourrait limite. Oh là là. Alors là, le général a une idée. Le général a une illumination. Ah mon dieu. Et je parle pas du studio, hein. Illumination. Tu vois, je parle pas de ça. Hein. Non, je parle d'une vraie illumination, tu vois. On va se faire une maison dans les montagnes. Pourquoi pas? On va carrément se faire une maison dans la vallée. Oh, de Dana. Dans la vallée. Tu vois? Regarde, viens voir soldat. Je vais te montrer la vision. Le soldat, il est en train de récolter le bois pour faire la maison. Alors déjà, le soldat, il conteste pas l'autorité, hein, ok. Excusez-moi, monsieur. Ah, voilà, je préfère un peu quand même. Hein. Alors du coup. Il est où le général d'ailleurs? Le général est dans. Ah, regarde. Coucou. Attends, j'ai fait misère. Attends. Je te fais des bisous, Elodie. Si tu passes par là, je te fais des bisous, Elodie. Je suis sur un toit. Regarde. Ah oui, d'accord. Alors, voyons voir. De quelle montagne? Regarde. J'ai une idée révolutionnaire, personne n'y a jamais pensé. Je te le dis. Mm-hmm. Quand je tombe, il y a une sorte de bruit, ça fait cric, cric, et ça m'enlève un petit cœur, c'est bizarre, tu vois, parce que généralement, et je dis pas ça parce que je suis général, tu vois, bah quand je tombe, c'est pas moi qui me fait mal, c'est le sol qui a mal, tu vois. Ah, naturellement, mais là c'est le bruit, c'est parce que le sol il a mal. Ah, bah non, c'est ça alors en fait, c'est ça. Voilà. Parce que le sol a mal, bien sûr, je pensais ça. Alors regarde ça, soldat. Viens ici, que je te montre ma vision du nouveau monde. Ok? Regarde ça. Tu vois ça là? Visualise, ok? Une maison à droite de la montagne, sur la montagne de droite. Une maison à gauche, sur la montagne de la gauche. Et entre un pont suspendu. Ah. Dis que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Bah voilà, je pensais aussi que c'est une très bonne idée. Et, et du coup, à partir là-dessus, moi ça me paraît. Du coup, on va déforester toutes les montagnes là. Mais quand même, tu vois, pas trop, parce que quand même, faut que la montagne reste quand même naturelle, tu vois. Parce que moi, je suis un Bien peu. Sûr. Voilà, je suis pour l'environnement. Par contre, on va vite rentrer chez nous. Parce que c'est pas tout, hein, mais il y a des araignées. Parce que hein, c'est pas tout, mais on est. Est-ce déjà là? Oh, je les entends! On va partir, on part très loin. On arrive. On part très très loin, et après on retournera, vous... on commencera ça. Vous rendez compte que ce projet va nous prendre plusieurs jours? Bah, non, 10 minutes c'est fait. 10 minutes? D'accord. 10 minutes c'est tapé. Bien entendu. Non, en vrai, ça va nous prendre un petit moment. Prendre un petit moment, mais c'est pas grave. C'est. Ce sera beau après. Mon soldat, vous êtes où là? J'arrive, attends, 3 secondes. Mais, mon général, mais, je veux pas dans...
encore bien dehors. Hop, allez, on dort. Alors. Et pendant ce temps, je me mouche. Très intéressant, franchement. Tu vois ? Très intéressant. Bah écoute, toujours. Faut prévenir. Alors. Du coup. Tu sais ce à quoi a besoin en général ? Non. Ils ont besoin d'Arizona. Ah, toujours, bien entendu. Bien entendu. Alors, moi, je vais me faire une hache en fer, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup déforester. Tu parles pas de beaucoup d'Orocadenia. Non, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Du coup, je vais me refaire quand même une hache en fer aussi. Oh, il y a la bouffe, si tu veux. Tu peux récupérer du fait de bouffe, c'est pas mal comme ça. On a un petit peu à manger. Il va falloir faire aussi des coffres, genre coffre spécial bouffe, coffre spécial ressources, coffre spécial outils. Mais bon, ça, après, ça va se faire petit à petit. Ça sera mieux dans une maison quand on aura déjà la sera bien installé et tout. Plus quand Fritz viendra, il aura. Bah, du coup, il devrait écouter les ordres du général, bien entendu. Bien entendu. Je pense pas qu'il va écouter les ordres du général. Alors, déjà tout le monde écoute les ordres du général, déjà. Ok. Bien sûr, Ensuite, on va partir quand même sur ma petite idée absolument exceptionnelle et révolutionnaire. Et j'insiste bien sur le révolutionnaire. Révolutionnaire. En plus, il y a des vaches. Putain, mais tout le monde louche dans ce putain de monde, quoi. C'est quoi ce bordel? Ok, et en vrai c'est très joli hein, comme passage, j'aime beaucoup hein. Il y a des cochons, on va défoncer des cochons aussi pour récupérer un max de viande. Pourquoi tu t'es suicidé Bobby? Pourquoi les cochons sont... Pourquoi tout le monde est suicidé? Pourquoi tout le monde est chelou ici? Il y a des gens qui louchent? Il y a des gens qui se suicident tout seuls? Hop. Mais s'ils vivent leur vie, écoute, s'il leur manque des cases, ils leur manquent des cases. Ah du coup ils vivent leur mort plutôt, ben... Bah ça, hop. C'est pas faux. Bobby, reviens ici! Voilà, hop! 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 Alors, du coup, j'essaye de revenir vers la fameuse montagne là. Ah, moi je suis déjà dessus. Hein. D'accord. Ah, ouais, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Louis, les ordres du quoi? Gêné quoi? Oh! Hein? Je vais commencer à râler! Général! Oh, pas mal, franchement. Franchement, un point. Franchement, un point là, franchement. Ah, va falloir qu'on arrête par contre avec cette histoire de. Il y a des gens qui vont arriver dans 2 mois. Ils vont se dire, c'est quoi ce genre de points? Du coup, ils parlent. Bah, nous-mêmes, on sait pas de quoi on parle. Mais nous-mêmes, en fait, on compte même pas les points. C'est juste. Mais oui, c'est juste comme ça, quoi. Histoire de. Merci en tout cas, bon, Louis. C'est une blague et bien, tu vois. Alors, du coup, je suis sur la montagne, là. Et je parle pas de la montagne de Game of Thrones, hein. Je sais pas laquelle était la plus nulle. Je sais pas, franchement, je me demande la vérité. Mais faut qu'on arrête, hein. C'est terrible. Alors. Alors du coup c'est bon pour ce premier arbre. Oh merde. J'arrive. Il va vraiment falloir aplanir le terrain aussi. Ça va nous prendre quand même pas mal de temps je pense que ça. Oui ça va nous prendre un petit moment mais c'est pas grave. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Donc je te propose qu'on continue un petit peu à hacher tout ça. Après on refait une petite virée dans la mine. Pour chercher le diamant et après on s'arrêtera. D'accord. Voilà. Comme ça on a plus ou moins le programme du reste du live. Ça me paraît pas mal. Ça te paraît pas mal? Ça me paraît plutôt pas. Eh ben, je suis content. Voilà. Je vais plus parler, frère. C'était complètement. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. La phrase ne voulait strictement. Il n'y avait pas un mot de français. Je suis content et voilà quoi. Mais voilà quoi. Alors. Par contre, les feuilles. Ah ouais, d'accord, les feuilles prennent leur temps pour disparaître par contre. Hein. Ça, on n'est pas trop pressé. Hein. Je t'entends. Alors, tu dois pas être loin de moi, je pense. J'essaye de monter. Angie, je te regarde depuis le Québec, dis coucou à Marie de ma part, bah coucou Marie. Ah, et merci beaucoup de nous regarder depuis le Québec, ça fait plaisir et c'est la classe. C'est la classe, carrément. Sora fait une pelle, c'est vrai que je pourrais faire une pelle, en vrai, toi aussi tu pourrais faire une pelle. Ouais. Non mais pareil, en fait depuis tout à l'heure je suis en train de creuser avec ma hache comme une idiote. Mais en plus tu l'abîmes du coup. Que... Tu l'abîmes du coup la hache, en plus. Bah oui. Par contre il va me falloir, alors attends, hop, il va me falloir du bois. Après on ira aussi dans le four mettre du bois. Pour montrer de quel bois je me chauffe. Oh putain, celle-là elle est exceptionnelle. Celle-là tu l'avais préparée. Hein. Celle-là je l'ai préparée, ça fait 5 minutes, je me dis attends, comment je la sors? Comment tu... Il y a des arbres, ils sont immenses quoi. C'est un truc de fou. Ah bah, alors je sais que... J'ai failli te faire tomber tu vois. Ah, merci, ça fait plaisir. Bonjour. Alors je sais, il y a un truc que je sais, et ça je l'utilisais vachement avant. C'est genre tu mets une racine d'arbre et tu mets de la poudre d'os. Ouais. Et ça fait, c'est une espèce d'engrais. Et ça, et le genre l'arbre il explose, genre il fait pouf, il devient ultra grand d'un coup. Énorme. Et c'est magique, genre si on veut vraiment des arbres rapidement, ou tu vois une déco d'arbre etc, bah ça c'est vraiment super utile. D'accord. Eh ben je ne savais pas. Et maintenant tu sais.
Hop. Maintenant, je sais. Voilà, je crois que j'ai enlevé toutes les bois de cet arbre là, techniquement, je pense. C'est bon, ok. Hop, hop. Alors. Hop, alors. Alors oui, je voulais en parler aussi, j'en ai parlé pendant le live de Marie, mais j'en ai pas parlé pendant mon live à moi. La rediff du live 24h, elle est pas encore disponible, les amis. Et il y a que 2 heures, c'est normal, pourtant je l'avais prévenu pendant le live 24h du coup, mais je vais le redire. C'est normal qu'il y ait que les deux premières heures, ou les deux dernières heures, je crois que c'est les dernières heures. Les deux dernières heures. Ouais. C'est normal qu'il y ait que les dernières heures, parce qu'en fait, YouTube est toujours en train de traiter la vidéo, elle dure... Enfin, faut quand même... Quand on prend du recul, faut se dire que la vidéo dure quand même un jour. Genre la vidéo dure littéralement un jour, 24 heures. Donc déjà que YouTube a du mal pour traiter genre 8 heures de vidéo, 3 heures de vidéo. Alors 24 heures, vous imaginez bien que ça va lui prendre un petit moment, ok. Donc je pense que maintenant elle sera là demain ou après-demain, parce que ça fait déjà un petit moment. Mais voilà, vous inquiétez pas si elle est pas encore complète. Elle va bientôt être complète, vous pourrez faire comme ça, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent mettre le menu et qui peuvent pas pour l'instant, donc vous inquiétez pas. Celui qui fera le menu, il pourra. Et on pourra également faire le best-of quand les 24 heures seront disponibles. Voilà, voilà. Oui. Je voulais vous prévenir, au moins comme ça vous le savez. Et voilà. Hop. Yes, parce que même moi, hein, moi j'ai voulu le re-regarder pour montrer des extraits à mon coloc et tout, machin, et à chaque fois j'étais là, attends, je te montre, ah bah. Bah voilà, ça, tu vois. Alors, il y a juste le monde Superman qui m'a littéralement tué de rire. Genre, je suis retourné dessus, j'ai regardé juste le truc de Superman dans Gang Beast, là. Le fou rire qu'on a eu. J'étais plié. Il y avait Julie qui était à côté, il y avait Célie qui était à côté, et genre, d'un coup, elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Et j'étais mort de rire. Oh, j'en pouvais plus, quoi. J'étais plié, mais c'est tellement magnifique ce passage. Mais franchement, il était magique. Et du coup, alors, il y en a certains qui disent que le live a été supprimé. Non, il est pas supprimé. C'est juste qu'en fait, puisque YouTube est en train de traiter la vidéo, elle l'enlève, elle le remet, elle remet, elle enlève, elle enlève, elle remet. Enfin, elle fait un petit peu. YouTube fait un petit peu ses bails. Mais vous inquiétez pas, le live est toujours là. Moi, je le vois. Donc, vous inquiétez pas, il est toujours là. Et voilà, voilà. En plus, faut que je règle mon petit souci avec Nintendo. N'est-ce pas? Bande de bitches. Et après, voilà. Alors, oh, c'est super joli en vrai. Regardez-moi ça, les amis. C'est super joli. Avec le shader, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, ouais, c'est ça rend très, très, très beau. Bon. Alors, je te propose qu'on retourne à la maison. Parce qu'on a quand même pas mal récupéré de bois. J'en ai 64. J'ai un stack et un petit peu plus d'un stack. Ce qui est pas dégueulasse. Alors, je finis mon dernier rare. Ouais, moi aussi. C'est ce que je fais. Et après, du coup, je te propose qu'on aille un petit peu dans la mine, on retourne un petit peu dans la mine. Allez. Puisque c'est là où. La fameuse mine, puisque c'est là un petit peu où tout part en couille. Clairement. Bien sûr. Clairement. Attends, est-ce que je peux hacher ça? Non. Je vais te hacher menu. Oh, j'y ai pensé, mais c'était petit ça. Ouais, bah tu vois, moi aussi, je dirais moins un point, tu vois. Je m'enlève un point, c'est tu ça, vois. J'aurais dit pareil. Hein. Ok. Faut qu'on arrête avec ça. Mais ouais, mais c'est un réflexe c'est maintenant. Bon. Ok. Hop. Alors. En plus, je sais même pas c'est qui a lancé cette histoire de poids au début. Mais c'est toi, je pense. Que moi pour lancer des conneries pareil, quoi. Mais c'est ça. Ok, alors, c'est bon, j'ai enlevé l'arbre. Je te propose qu'on y aille. Allez, c'est parti. Ah non, je me suis pas give, hein. Je sais même pas comment on give, hein. Donc clairement, non, je suis pas give. Non. Bah c'est pas... Y'a pas d'intérêt. Théoriquement, y'a que moi qui peux give, et puis même, enfin... Je vois pas trop l'intérêt au début. Ça sert à rien. Même après, enfin, c'est pas... À la limite, c'est vraiment genre, il y a un creeper géant qui spawn, il explose tout le biome, que les villageois volent, des tornades arrivent, les tempêtes de feu, des comètes, ça explose la moitié de la carte, on est tous avec une jambe en moins, on a perdu, enfin bref, tu vois, là, le cataclysme, tu vois, la fin du monde. Bien sûr. Et bah là, à la limite, on pourrait se give quelques petits trucs pour repartir de zéro, tu vois. À la limite. À la limite, tu vois. Si jamais ça arrive. Après, généralement, ça devrait pas arriver. En tout cas, si ça arrive, ce sera inquiétant quand même. Hop. Bon, le cuir, c'est bon. Coup, j'ai un peu de viande aussi. J'arrive. Alors, récupère un peu de viande aussi. Est-ce que je t'ai laissé là? Ah non, c'est bon, d'accord, tu l'as récupéré. Je vais mettre un peu de viande de porc. Hop. Sur le grill. Hop. Je mets ça ici. Par contre, faut vraiment qu'on se crée un autre coffre parce que là c'est vraiment tendu. C'est quoi? Je vais créer un coffre vite fait. J'en ai un sur moi si jamais. Ah ouais, bah mets-le alors, du coup. Alors, je le mets dedans ou dehors? Tu le mets dedans. Merde, j'ai fait une connerie. Ok, c'est bon. Hop. Hop. Ok, c'est bon. Hop, hop. Je remets ça ici. Comme ça, je vais prendre les ressources dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire les ressources les plus importantes. Ouais. On va mettre ça là-dedans, genre le bois. Le bois, le fer. Bah, c'est tout. En fait, le bois, fer. C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà, là on va mettre le bois, hop hop. Tiens, je te laisse rajouter ton truc, là on va mettre les minerais.
Hop. Minerai, je pense que c'est bon. Planche d'acacia. Hop. Voilà. Alors, on va voir. Ok, bois, j'en ai. J'ai okay. Ça aussi. Ça paraît pas mal. Alors, par contre, tu me fais pas ça comme une sauvage là. Ok. Mais de quoi tu parles? Putain, mais regarde-moi ça là. Quoi? Faut ranger un petit peu là. Ok, c'est bon. Oh là, oh ça. Oh là là, c'est bon, c'est du bois. C'est oh, bon. déjà. On se détend, ok, on se détend. Voilà. C'est pas que du bois, c'est bien plus que ça. Arrête de me pousser un peu là. J'ai rien fait. Arrête! J'ai rien fait! Ok, donc hop, je suis là. Ok, donc hop. Du coup. T'as des torches? Oui. T'as à manger? Ouais, 10. Ok, et eh bien écoute. Let's go! On dort et on y va? Let's go! Allez. Putain, je me rappelle quand un jour, tu sais, généralement, des fois, tu sais, ils peuvent spawn les. Je sais pas si dans quelles conditions, mais des fois, les monstres peuvent spawn à côté de toi, genre, ils te réveillent. Tu vois, quand t'es ah à bon côté d'un spawn ou quoi? Ou t'as à côté d'un spawn, à côté de zombies, ou je sais pas, enfin, je sais pas quoi, y'a trop d'ennemis à côté de toi, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais genre, tu dors, et le zombie peut te réveiller, genre, il est devant toi dans ton lit, genre, boum, coucou. Ah, sympa! Et voilà. Voilà. Et ça, c'est clairement la crise cardiaque d'affilée directement. Ah bah oui. Alors, j'ai deux pioches, j'ai une épée. Moi aussi. C'est reparti, la mine de l'enfer. Alors, par contre, il faut qu'on retrouve comment on était. On avait trouvé un bon endroit, hein, franchement. Parce que le temps qu'on retrouve comment on était, on pourra terminer le live. C'est ça, quoi. Il y a un creeper. Aïe. Il a peur, il crie. Il crie de peur. Excellent, un creeper. Voilà. Oh là. Moi, je pense que c'est un petit peu ça, non? Il a peur ou qu'il explose? Non, c'est en anglais. C'est quoi, creeper en anglais? Quelqu'un qui. Un creep, c'est un mec chelou en fait. D'accord. En même temps, voilà. Il est chelou, on va pas se plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Alors, en vrai, on redescend pas. En vrai, on n'a pas encore trouvé d'Enderman. Non. Et franchement, heureusement. Ça j'aime pas. Ouais, ça j'aime pas. Parce que autant les. Franchement, les araignées, tu sais que c'est la mort, c'est impossible. Hein. Autant les Enderman, c'est juste derrière. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Enderman, c'est. Leurs petits yeux violets dégueulasses, là, quand ils ouvrent la bouche, ils font. Et après... Ouais, non, les après, ils foncent dessus, je suis pas serein. On passe pas par là. Attends, suis le général. T'inquiète. C'est le sens de l'orientation. C'est un test. C'est pour savoir ce que ah non, mais j'en ai aucun non plus, hein, donc c'est pour ça. Hein. C'est quoi ce bruit de merde là? Je sais pas si. Ah, j'ai des frissons, putain. Genre. Y'a. Oh, bien sûr, les frissons. Dans Minecraft, j'ai tout le temps des frissons. Mais vraiment, je rigole pas. J'ai des frissons H24. C'est horrible. Wow! Salut! Comment. Oh merde! Tu l'as regardé? Non, j'ai pas regardé. Putain, mais fallait que j'en parle, fallait que j'ouvre ma bouche, quoi. Mais c'est pas vrai! Arrête de parler des choses, quoi. Oh, je te jure. Oh, c'est atroce. Oh, c'est horrible, mais sans déconner. Mais tu sais que j'ai la chair de poule. J'ai mes poils, c'est même plus, ils se hérissent mes poils, ils s'en vont. Ils sont partis. Ils sont partis, là tu vois des poils volent, salut, tu vois, ils partent. Comment on fait? Bah écoute, je vais lui casser la gueule. T'es sérieux? Je vais lui casser la gueule. Hey ah, bitches bah... You know what I... Il est où? You know what I mean? Il va se tp devant nous. Je te le dis, il va se tp. Il s'est pas tp? Il va pop devant. Il va pop devant ma gueule, je vais hurler. Tu vas hurler. Mais je vais hurler. Comme jamais. Attention. You know what I mean? What? C'est bon, il fait. Je croquais. Ah! Attends. Ta mère! Oh le bâtard! Oh non. Oh mon dieu, quoi. Tu l'as tué? Oui. J'en peux plus de ce live. J'en peux plus de toi. Ah, j'ai pas eu peur. C'était encore un cri pour faire genre et pas. En vrai, je me suis fait chier. Mais quel bâtard. J'ai pas tout entendu, c'est marrant. Mais non, mais attends là aussi. Voilà. C'est bon ou quoi? Faut arrêter de déconner un petit peu, putain. J'en ai marre. Oh non! Putain, j'ai jamais autant crié, mais même dans FNAF, même sur FNAF, j'ai pas autant crié, putain! Mais c'est vrai en plus, c'est déconné quoi! Mais Minecraft quoi, pourtant!
Bah comme quoi Attends, mais Thunderman, je suis pas fan non plus. Attends, il s'était pété d'un coup, il m'a dit clairement, Maxime, ta race C'est ça, c'est ça. Ah, par contre, je suis perdu. Je sais plus. Non, attends, je te vois, j'arrive vers toi. Hop. Ah, tu dois être par là, je pense. Absolument tu vois, pas. Non, tu vois normalement mon texte là. Bah non, je le vois pas bizarrement, tu vois. Parce que en fait, t'es en transparence dans mon petit find là et je te vois pas. Ah merde. Attends. Peut-être que t'es là. De remonter, du coup. Ah, peut-être que t'es là du coup. Ah, descends. Là, oui, c'est moi. Okay. Oui, voilà. Alors, déjà, c'est mon armure que t'as pris. Bonsoir, en général. Alors, déjà, tu vas te détendre, tu vas me donner tout mon stuff, ok. Sinon, moi, je te défonce à coup de tête. Bim, coup de tête. À coup de tête. Ouais, t'es sûr. Ouais. Alors là, voilà. Alors. Non, parce que c'est vrai, en fait, moi, j'ai plus de stuff. Alors. Putain, quoi, j'ai tout perdu, quoi. M'a fait peur. Je pensais pas qu'il se TP, normalement il se TP quand tu le regardes. Je l'ai pas regardé, je lui ai envoyé une flèche dans la gueule, c'est complètement différent. Ah non, c'est soit quand tu le regardes, soit quand tu lui tires dessus, clairement. Bah t'avais un tournesol aussi, tiens, voilà. Bah attends, il manque pas mal de choses, hein. Hache. Il manque ma viande, mon arc, mes flèches. Voilà, ton arc, tes flèches. Ma viande. De bambou. Toi t'es passé où déjà? Tiens, t'es où? Bah, je sais pas, t'es où? Mais j'ai pas bougé! Ta merde, elle est où? J'ai okay. pas bougé du tout! Elle est là! Mais je te jure! Bon, déjà j'avais pas de pouce de bambou, on va se détendre! Hop hop! Voilà, c'est bon, j'ai tout récupéré! Bon, okay. Soldat, après l'instant t'as eu après votre crise de panique là! On va peut-être pouvoir recommencer à travailler? Hein? C'est pas par là! J'en ai. Eh, tu sais quoi, ça il me casse les couilles ce passage. J'en ai marre, putain. J'en ai réellement marre. Ça fait 20 fois que j'arrête pas de me perdre dedans. Donc c'est bon. C'est pas par là, bordel. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, d'accord. Voilà, c'est pas par là, putain. Oh merde. J'avoue que ça fait 3 fois quand même. Alors. Ok. Du coup, après, où est-ce qu'on était? Après cette petite expérience. Où est-ce qu'on en était? Je crois qu'on était par là. En général, c'est de l'autre côté. Alors, je le savais très bien, soldat, ok. C'était pour ça. C'est même vachement plus compliqué que je le pensais, bordel. Ok, bon, c'est par là. Technique. Oh, wow, salut. Recule. Je te défonce. Un général ne recule. Bah si, il recule. Quand il a pas le choix, il recule, clairement. Alors déjà, si y a un zombie, je le défonce. Je le casse en deux, d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas fini avec l'Enderman, hein? Parce que clairement là, on a un peu marre, hein? On va pas en avoir d'autres, d'accord? Je crois qu'il y a un zombie au-dessus de moi. Soldat, vous passez devant, j'en ai marre. Passez devant, soldat. Si le général pouvait arrêter de parler de choses parce que ça les fait spawn en fait. Donc, si le général pouvait juste fermer. Fermer! Ah, tu vas exploser, soldat. Ce serait. Ah yeah. What the? Je t'ai quand même prévenu, soldat, je t'ai dit que t'allais exploser, hein. Oh non, mais y'en a eu deux. Ouais, mais je te l'ai dit, je t'avais prévenu. T'aurais pas pu me le dire avec un peu plus de, je sais pas, tu vois. Bah je vous l'ai dit, j'ai dit vous allez exploser, soldat. Ouais, enfin, y'a quand même un peu plus... Je sais pas quoi, genre, y'a quelque chose qui est en train de te tomber dessus, ouais, et en deuxième... Mais ça, c'était en détail. Bon, du coup, soldat, c'est quand même temps de revenir rapidement, là, non? Parce qu'on rigole, on va pas le fond du bal. Mais vraiment, genre, il était à un pixel de ma gueule. Genre, vraiment, mon écran est devenu... Ah, mais j'ai vu, il y a un creeper qui était là, puis un deuxième qui est tombé. C'était très drôle. Ah, il y a un zombie qui est tombé. C'était excellent. Hop. J'adore ce live. Franchement, moi aussi. Franchement, j'aime beaucoup. N'hésitez pas les amis à me dire dans le chat si vous voulez qu'on continue un petit peu les aventures Minecraft comme ça, c'est plutôt rigolo. Moi, je m'amuse beaucoup. J'ai peur surtout, mais je m'amuse beaucoup. Et c'est très drôle, et franchement, je suis carrément fan. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à revenir sur la rediff, puisqu'il y aurait une rediff, n'hésitez pas à aller sur la rediff, et à me dire tout simplement dans la rediff que vous voulez du Minecraft, à liker la rediff également, liker le live, parce qu'au final, je vous ai jamais demandé de pouce bleu, mais si jamais vous pouvez mettre un petit pouce bleu, les amis, ce serait quand même super cool si vous voulez un petit peu plus de Minecraft, ça vous plaît. Oui. Parce que moi, ça me plaît, Marie, ça lui plaît. Donc du coup, voilà, si jamais, n'hésitez pas à liker la rediff. Ah, liker le live, tout simplement, en fait. Parce que la rediff, le machin, n'hésitez pas à liker tout court. Et ce serait assez cool, voilà, tout simplement. Carrément. Je me suis perdu. Donc, le temps que j'arrive... Pourquoi ça m'étonne pas vraiment, en vrai? En vrai, non, mais j'ai zéro sens de l'orientation. Donc, autant toi, t'en as pas, autant moi, j'en ai pas non plus. Très bien. Je me suis perdu, mais toi... Alors, attends.
On tente les 1500 likes, les amis. 1500 pouces bleus, ce serait génial. On tente les 1500 pouces bleus, les amis. Alors, du coup, je t'attends. Tu vois mon nom normalement, non? Non, je suis trop loin, je le vois pas. Oh, y'a McGonagall. Y'a McGonagall? Ouais, expecto! Attends, t'es où? Je sais pas. Très bien, d'accord. Alors, moi, je vais pas pouvoir t'aider. Hein. Si tu me dis même pas où t'es, ça va être compliqué. Hein. Parce que moi, je fais. Je suis expert, merci. Ah bah c'est vraiment une super... Je suis dans la mine. Ok quoi. Oh salut. C'est bon. Elle est où McGonagall? Je crois qu'elle m'a pas suivi. Je la casse en deux moi. Oh y'a une araignée. Oui. Attends. Je veux marcher. Donne-moi l'épée. Attends viens. Mais non mais sinon je peux pas la tuer. On court. Ok c'est bon, je crois que je l'ai semé. Alors attends du coup. Non c'est pas par là putain j'en ai... J'en ai marre. Mais putain, j'en ai marre. Ok, bon. Alors, on va peut-être récupérer ton stuff avant qu'il disparaisse. Ce serait quand même embêtant qu'il disparaisse. C'est embêtant, légèrement. Du coup, soldat. Votre soif est en bas. Je vous propose que vous sautiez, que vous allez récupérer toute seule. Non, je déconne, salut. Ok, c'est bon, je suis là. Hop, je récupère la plupart. Ça sent clairement la merde. Récupère. Attends, soldat, hop. Je vous défendrai jusqu'à la mort, soldat. Voilà, c'est bon. Tranquille, posé. Franchement, pépère. Ah, tranquille, posé, tranquille. Ah, franchement, pépère. Tiens, tiens, c'est à toi. Hop, hop. Ouais. Hop. Olivia, vu que tu réponds, princesse, je veux pas te répondre pendant le live, princesse. Il y a trop de personnes qui parlent, princesse. Tu me diras après. Limite, un jour, quand on fera un live à Minecraft, tu viendras avec moi. Puisque toi, t'es une expert en Minecraft, alors bien plus que moi, Frit et Marie réunis. Bah, bien sûr. Soldat Olivia. Parce qu'elle est forte en vrai. Elle est balèze, hein. Ah. Bah tiens, ouais, c'était torche, hop hop, et tiens. En vrai, elle est largement plus forte que moi, hein. Elle fait des trucs genre vraiment ouf, donc pourquoi pas. Mais mes trois petits frères et sœurs, en fait, du coup, Gabriel, Neosa et Olivia, sont ultra balèzes à Minecraft, les trois, ils sont vraiment super forts. Ah, mais c'est cool. En plus, Neosa, je lui ai acheté le petit livre, c'est une collection qui est sortie, où c'est un livre genre magnifique sur la redstone, un livre magnifique sur l'arme, sur la construction, c'est ultra stylé. Et genre, je lui ai acheté 3 livres sur 4, un truc comme ça. Et genre, elle fait des constructions de ouf. Ils sont très doués. C'est cool. Bah, faut qu'ils viennent pour faire des constructions. Parce que nous, les constructions. C'est pas ouf, hein, c'est pas la folie. C'est pas. Ouais. Olivia, la générale. Olivia, générale. Ok, alors, hop. Non, Olivia, c'est la petite princesse. C'est la petite princesse, c'est ma petite princesse à moi. Dans son château. C'est ça. Qui n'est pas encore là d'ailleurs, mais bon. On fera château plus tard, ok. Alors, du coup, je suis revenu là où j'étais. Putain, mais dis pas que tu t'es perdu, soldat. Soldat ! Mais t'es où ? Ah, quoi, déjà, t'es où ? Hein ? Excusez-moi, vous êtes où ? Est-ce que je t'ai permis d'être tous familiers avec moi, soldat ? Absolument pas. Absolument pas. Alors ? J'ai cru que, voilà, avec toutes les aventures que nous avons vécues ensemble. M'en bats les couilles, frère. T'imagines ? T'imagines ? Attends, mais t'es où ? Mais je suis revenu sur toi et tout, t'es où ? Allez, amis, on a 1400 pouces bleus. Allez, encore 100 pouces bleus, on a 1500, ce serait cool. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, hein, je le dis pas, je l'ai pas dit du live aussi, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous tombez sur la chaîne et que vous voulez être un petit peu au courant des prochains lives, des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et pareil pour Marie, sa chaîne est dans la description. Ça fait plaisir, voilà, ok, go. Allez, on tente et on arrêtera le live un petit peu après. Ça va être un live un petit peu plus long que d'habitude, un petit peu plus d'une heure, mais voilà, je trouve ça cool puisque voilà, je reviens, on est posé. Ouais. Donc voilà. Bon, et puis de toute façon, on a fait 24 heures de live, donc maintenant oui, c'est ridicule. Maintenant en vrai, posé. Vraiment facile. Facile. Vraiment facile. Alors du coup on s'est arrêté juste ici. Je crois apparemment on est à la couche combien? On est à la couche 12. Donc en vrai il faudrait être à cette couche là. 11. Ok donc c'est par là qu'il faut creuser. Ok let's go. D'accord. Ce sera chaud pour aller là-bas. Hop. Ok c'est parti. Donc là la mission c'est de trouver du diamant. Je sais pas si on le trouvera pendant le live. Parce qu'on va pas non plus faire un live de 4 heures. Mais. Okay. Ce serait bien d'en trouver un petit peu. Ce serait cool d'un petit peu conclure le live là-dessus. Et on a les 1500 pouces bleus. Merci beaucoup, les amis. Vous êtes top. Franchement, vous êtes juste géniaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai de la terre. Généralement, quand il y a de la terre, c'est qu'on est pas loin. Arrête avec tes. Vas-y, généralement, quand il y a de la live, généralement. Quand alors, déjà, généralement, quand il y a de la terre, c'est qu'il y a une sortie pas loin. Ah, une sortie pas loin. C'est qu'il y a une... Je suis sûr qu'il y a une grotte pas loin. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça c'est de la lave. Fais gaffe, hein. Ça fait pas avoir, hein. Bah, je me fais pas avoir, mais ça va être la même pour toi. Ah! Voilà. Très
très bien. Voilà. Salut. Ah, on est au, du coup, on en est arrivé là, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a, y a un peu de droite par ici. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas ce que j'aurais senti? Eh bien non. Il y a que dalle. C'est bien vite tout ça. Il y a que dalle. C'est bien vite. C'est super ce que j'ai senti. Attends, c'est quoi ça? Oups. Quoi? C'est du lapis. Mais tu viens de le mettre dans l'eau. Oui, dans la lave, même. The lapis is lava. The lapis is lava. Bien entendu. Alors, hop, je vais creuser. Alors, avec toi. Qui va trouver du diamant en premier? Est-ce que c'est le général ou est-ce que c'est le soldat? Oh, déjà. Si tu trouves le truc, c'est grâce au général. Ah. Et si le général trouve, c'est grâce au général aussi. D'accord? Donc, clairement. Par contre, on va pas se mytho, il y a beaucoup de lave dans ce coin, c'est un petit peu relou. Ah putain, encore? Ouais, y'a que ça. Bah, en même temps, le diamant est près de la lave aussi. Hein. Bah, oui. Du coup. Ok, par là, je suis sûr, par là, là. Ah, mais il y en a partout! Prends les torches à la main, appuie sur T. Ah non, appuie sur F. Appuie sur F. Oh! What the fuck? D'accord. Attends. J'ai pas compris. Énorme! Quoi? Énorme! Tu peux avoir deux trucs dans la main, genre poser la torche et piocher. Mais non, mais c'est le futur! Mais moi, regarde, ça me fait pas ça. Prends la torche. Ouais. Et tu fais F dessus. Ah, moi j'ai pas les mêmes touches. Ah oui, il faut que ce soit. Bah, du coup, F pour moi c'est. Attends, je regarde les commandes. Putain, c'est génial! Franchement, merci! Attends, je vais quand même le dire. Je vais quand même dire qui m'a dit ça, c'est juste excellent. Miliana Otaku, non, merci beaucoup, c'est génial! Changer alors. Un objet de main. Alors, c'est option ça graphique. C'est ça, je crois. Test. Moi, F c'est. Oh! Voilà, tu l'as ça? Et du coup, je peux faire clic droit? Et du coup, tu fais clic droit pour miner. Et F pour. C'est énorme! C'est trop stylé! J'avoue! Oups! Du coup, bah. Putain, mais c'est génial! Putain, mais Minecraft a tellement évolué depuis que j'ai. Parce que j'ai joué, moi, j'ai joué il y a très très longtemps, tu vois. Mais ça a tellement c'est... évolué depuis, c'est mortel! C'est tellement le futur! Oh là là! Oh, le gain pourtant, de temps! C'est tellement... Enfin, ça paraît tellement logique! Bah, c'est ça, c'est clair! Mais le gain de temps! Pensait. Alors, je sais qu'il y a aussi un shader. Alors, je sais pas si c'est un shader ou si c'est un mod, ça doit plutôt être un mod, je pense. Ou genre. Quand tu as la lampe torche dans la main, et bien ça fait de la lumière, comme si t'avais la lampe torche d'allumer. Genre t'avances avec la lumière. Et c'est oh, ah Marie. Oh. Attends, c'est une blague. On a déjà vu ça. Putain, mais on est revenu. On a tourné en rond. Mais on a tourné en rond, mais c'est pas possible. Regarde, on est revenu au point de départ. Mais non. C'est pas grave, parce que le diamant en soi il peut être n'importe où. Hein. C'est ça. Donc tu sais quoi, on va redescendre limite. Hein. On va repartir, on va piocher de l'autre côté du coup. De quoi? On va piocher. Oh putain, on va piocher par là. Non, on va piocher. Attends, on va piocher. Ah. Uh-huh. Par là. Par là. Ah mais t'es revenu sur tes pas? Oui. Ah. Attends. En fait, je vais venir vers toi. Ah. Uh-huh. Alors. Hop. T'es où toi? Mais je suis resté au même endroit, moi. Je suis perdu, Marie. Ah, t'es là. Coucou. Coucou. Bonsoir. Enchanté. Attends, déjà. Oula. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait? Hey, c'est doué. Oh, putain. Faut vraiment que je fasse à David, ça. Je vais le faire chier toute la journée avec ça. Hop. Non, par contre, c'est un peu que de la terre. Oh, oh ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ah, ici on n'est pas venu. Oh! Oh! Oh my god! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des diamants! Oh, et c'est une victoire de Sora qui trouve 4 diamants, 5 diamants, 6. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable! C'est incroyable, on aura trouvé du diamant, ça fait plaisir sans déconner! Ah, ça c'est cool, franchement! Ah, mets-toi par en sneak quand tu si fais ça! Si tu veux éviter de me pousser, général! Alors, déjà! Parce qu'il y a un coup de la lave quand même! On se détend, hein, soldat! Uh-huh. Merci beaucoup, les amis, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Le petit pouce bleu pour les diamants, les amis! Franchement! Ah ouais! Ça mérite là! On en a 7 en vrai, c'est grave cool! Carrément! Franchement! On s'est ça bien... fait 7 diamants! Oh, c'est toi! Ouais, oui, c'est moi, t'inquiète. C'est quoi ce oh, genre, oh, c'est toi? Genre, hein, ok? Non, je croyais que c'était un monstre. Non, tu devrais plutôt dire, oh, c'est toi! Tu vois, un truc oh, comme ça, tu vois? Toi voilà. Wow.
Alors attends, oh, je suis. Oh, attends, viens. Viens ici. Regarde. J'ai trouvé absolument rien. Voilà. C'est super. D'accord, t'aurais dû t'arrêter sur les diamants. Est-ce que, est-ce que les diamants, genre, comment dire? Genre là, est-ce qu'on peut très bien ne plus trouver de diamants pendant genre 50 mètres? Ou alors ça veut dire qu'il y en a pas loin? Non, il peut y en avoir partout. D'accord. Théoriquement. Si je dis pas de conneries. Bah moi je te propose qu'avec nos 7 diamants, on va pas être trop gourmand parce qu'on va tomber sur un creeper, il va nous exploser, on retrouvera jamais ce qu'on va choper. Voilà, c'est ça. Donc on va retourner chez nous. On va repartir. C'est par où chez nous? C'est une excellente question. Mais en vrai, on a tourné en rond, donc techniquement ça doit être par là. Oui, c'est par là, easy. Easy. Hop. En vrai, je suis grave content, on a trouvé du diamant, je suis grave content. Ouais, c'est cool, franchement. Ouais, j'aime mettre le diamant ici pour qu'on le voit. Oh, il est joli. Oh, le beau diamant. Oh, regardez-moi ça. Oh, il brille, regardez. Oh, coucou. Voilà. Bon, précieux. Hop. Le précieux. Alors maintenant, mon cher général, comment est-ce qu'on rentre chez nous? C'est quoi cette merde là-bas? C'est un Enderman, excellent! Non, mais non! Si, c'est clairement un Enderman, c'est oh sérieux. Aussi! C'est pas sérieux! C'est quoi, je te laisse passer, je m'en bats les couilles! C'est pas sérieux! Ça l'enfonce! On le regarde pas, le râle! Attends, c'est un Enderman! Mais merci, c'est pas un Enderman, je sais quand même, regarde au-dessus! Tu sais pas, c'est sa vieille bouche violette là? Non, j'ai pas envie de regarder! Je ne regarderai pas. Attends, mais c'est un Enderman ou c'est un Creeper? Ah, c'est un Creeper? Oh! Mais c'était génial! Je veux juste une explosion, j'ai vu de la fumée, je. What the fuck, mec! Mais tu l'as pas vu! Derrière non! Moi. Et franchement, regarde la rediff, c'est magique! Genre, j'ai juste vu une explosion par la droite, de la fumée, c'était magique, mais c'était incroyable! Putain, c'était génial! C'est magique, mais j'en peux plus de ce live! Wow! Oh merde! C'est magique ce qui se passe, c'est juste. C'est excellent! Oh là là, est-ce que tu veux que. Je revienne? Non, c'est bon, tranquille! Oh merde! Bah, par contre, du coup, comment est-ce que je peux récupérer tout ce que t'as? Est-ce que j'aurai de la place? Wow! Et moi, je pensais que le creeper il était derrière moi depuis tout à l'heure et que tu me disais rien et que tu me regardais comme un connard en fait! Non, j'ai rien dit! J'ai rien fait! Non, parce qu'en fait, tu m'as dit, ah non, en fait, c'est un creeper! Et dès que t'as dit le mot creeper, ça a fait. Non, c'est le creeper du dessus! Par contre, si je tombe sur une araignée ou sur un zombie là, en montant la cascade, il m'a fait peur! J'ai un creeper et un creeper qui est tombé sur moi aussi! Derrière moi! Mais moi, je suis trop intelligent, je suis trop fort, il m'a. Tu vois, je l'ai esquivé, tu vois! Parce qu'un général ne s'est pas touché! Il devient des pros sur Minecraft! Ah, attention! Merci, Angéline! Je parle pas d'Evangeline dans Wakfu. Très bonne série au passage, très bonne série au passage, j'adore Wakfu. Est-ce que cette petite chose intéresse quelqu'un ou pas? Personne? Bien sûr. Très bien. Un général fan de Wakfu. Écoute, hein. Alors, du coup, comment est-ce que je sors d'ici? Alors. J'ai essayé de récupérer. Ah, du coup. J'ai essayé de récupérer bonjour. Tout ton stuff. Alors attends, hop. Je te file aussi des trucs de merde que je veux pas. Très bien. C'est un plaisir, t'inquiète, c'est un plaisir. Un plaisir d'être une poubelle, mon général. Oh, avec plaisir, soldat. Hop. C'est bon, ça commence à faire pas mal de choses là. Ah bah, oh, c'est bon là. C'est bon. Oh, bah dis donc. On peut repartir. Alors. Il cherche du diamant, ça tourne mal. C'est ça quoi. En vrai, c'est tellement ça quoi. Hop. En vrai, là, et regarde ce sens de l'orientation exceptionnel. Oh là là, exceptionnel, franchement. Il est pas général pour rien. Ah, bien sûr que non. Ah, j'entends de la pluie. Ah oui. Décidément, il fait que pleuvoir ici. Par contre. Merci. Merci beaucoup. Hop. Hop là. Touk. Et on y est. Hop. Chez nous. On est chez nous avec notre diamant. Et on est vivant. Yes, ça c'est bon. Bah du coup, tu sais quoi, on va carrément s'atteler. Ah, ou alors limite, c'est quoi? On va garder le diamant. On va pas pour l'instant le transformer ou quoi que ce soit. Ouais. On va le mettre ici. Et ouais. On s'en occupera lors du prochain live. Je pense que c'est une bonne idée. En vrai, ça me paraît pas mal. On est vraiment bien, on a récupéré le diamant, on a fait pas mal de petites choses pendant le live, c'était vraiment assez cool. C'est drôle, j'ai adoré le live, je me suis vraiment beaucoup amusé.
J'espère que toi aussi tu t'es amusé. C'était bien drôle. C'était super sympa. Écoutez, j'espère aussi à vous que à vous ça vous a plu. Ça m'a perturbé parce que je vais essayer de mettre en full calme, en full cam, pas en full calme. Hop, full cam. Voilà, je brille. Pourtant, je transpire pas, c'est ouf, je brille. Mais simplement par la lumière quoi, c'est ouf. Ok, pourquoi pas. Hop. C'était, écoute, franchement, laisse. L'anecdote, tout le monde en avait besoin. Écoute, voilà. Franchement, laisse-moi un petit peu. J'ai baissé un petit peu l'humidité. Voilà, un petit peu baissé comme ça, nickel. Ok, et bien j'espère les amis que ça vous aura plu ce petit live sur Minecraft. Moi bon, en tout cas, je me suis vraiment beaucoup amusé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais ça vous a plu ou vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour suivre les prochains lives, les prochaines vidéos. Et surtout, surtout, activez la cloche de notification parce que si on n'active pas la cloche de notification, eh bien, vous ne recevrez pas la notification des lives, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Dès que vous serez abonné, il y aura la petite cloche qui apparaîtra. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Marie aussi, qui est dans la description. Voilà, voilà. Ouais. Du coup, nous, on se retrouve très, très vite pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez. C'était Sora. Et Marie. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao.